Oh, we're singing my long delivered Daniel. Lord, deliver Daniel. My Lord, deliver me. Well, my Lord, deliver South Africa. My Lord, deliver South Africa. My Lord, deliver South Africa. And my Lord, deliver me. Well, my Lord, deliver France. My Lord, deliver France. My Lord, deliver France. And my Lord, deliver me. Well, my Lord, deliver Trinidad. My Lord, deliver Trinidad. My Lord, deliver Trinidad. My Lord, deliver me. Well, my Lord, deliver Nigeria. My Lord, deliver Nigeria. My Lord, deliver Nigeria. And my Lord, deliver me. Well, my Lord, deliver Germany. My Lord, deliver Germany. My Lord, deliver Germany. And my Lord, deliver me. Well, my Lord, deliver England and Ghana. Lord, deliver England and Ghana. My Lord, deliver England and Ghana. And my Lord, deliver me. Well, New York, my Lord, deliver New York. Deliver New York and my Lord, deliver Daniel. My Lord, deliver Daniel. My Lord, deliver Daniel. And my Lord, deliver me. Praise God. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Praise be to God. Thank you, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Oh, my. Praise his name. Thank you, Lord. Praise God. Amen. Shall we bow our heads in a word of prayer? Courbons la tête dans un mot de prière. Almighty God. Dieu Tout-Puissant. What a privilege. Quel privilège. What a blessing. Quelle bénédiction. Praise God to be gathered here tonight. D'être rassemblé ici ce soir. With your bride. Avec ton épouse. From different parts of this world. De différentes parties du monde. Lord, we are not gathered here for naught. Seigneur, nous ne sommes pas rassemblés ici en vain. Expecting something. Mais nous attendons quelque chose. Amen. And Father, we thank you for delivering them safe. Père, nous te remercions parce qu'ils sont arrivés ici en sécurité. Puisses-tu donner du repos à ceux qui sont fatigués à cause du décalage horaire. Que l'onction frappe ce soir. Et Seigneur Jésus, ces réunions de pré-convention, ces rassemblements afin que nous puissions avoir communion les uns avec les autres, car nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Nous nous rassemblons. Alléluia. Que Dieu soit loué. Merci Jésus. Alléluia. Lord. What can I say? Seigneur, I don't know que puis-je dire? I'm gonna say tonight. Je ne sais pas ce que je vais just dire ce soir. Fellowship. Juste un peu de communion. Et je n'avais même pas but eu le temps de préparer des notes, mais tu so connais now, toutes choses, Seigneur. Bless this little get together. Veux-tu bénir ce petit rassemblement, bénis spoken, les paroles qui just vont être parlées, remarks, quelques Lord. Remarques, Seigneur. And we'll pray, God, that et nous prions, you will be oh Dieu, careful.
Et nous prendrons soin de donner la louange et la gloire, car nous le demandons dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen et amen. Lorsque vous êtes debout, si vous voulez prendre votre Bible, je ne sais pas quel endroit prendre, j'ai juste quelques écritures ici, dans la dernière demi-heure. So I'm just strictly trusting the Lord. Ah, je vais simplement faire confiance au Seigneur. Je sais que les frères savent ce dont je parle. J'étais avec eux toute la journée. Ainsi, vous devez faire ce que vous devez faire. Let's go to Exodus 14. Prenons Exode 14. C'est aussi bon que n'importe quel endroit. C'est la parole. Praise God. Gloire à Dieu. Back to the Bible. De retour à la Bible. Les diacres, vous pouvez faire avancer des personnes vers l'avant ici parce que nous ne voulons pas avoir des sièges vides ici devant. Sister Rachel, she's here for fellowship. She's alone there. Rachel là est ici pour avoir la communion. Elle est seule. Elle vient d'Allemagne. So Exodus 14 and Joshua 1. 14 Read from Exodus 14, verse 13 au verset 13 through 21. À 21. And Moses said unto the people, "Fear ye not." Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, restez tranquille et fermez-la, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Amen. Qu'il va vous montrer aujourd'hui. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Praise God. Gloire à Dieu. For the Egyptians whom ye have seen Car today, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, no vous ne les verrez forever. Plus jamais. My. Mon Dieu, mon Dieu. The Lord shall fight L'Éternel for you, combattra pour vous and ye shall hold et your vous peace. Gardez le silence. Amen. Amen. Praise God. Gloire à Dieu. And the Lord said unto Moses, L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et divise-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, et ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Regardez maintenant l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, et nous avons eu l'ange depuis 74 jusqu'à 82. Allons devant nous. Et le même ange est sur le point de venir derrière nous. Et il est retranché. Gloire à Dieu. Amen. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de feu qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens. De quoi avez-vous peur? La colonne de feu va se tenir là. Se tenir contre vos ennemis. Se tenir contre vos critiques. Amen. Maintenant, je suis chez moi, Afrique du Sud. Je suis chez moi. Je dois aller en Afrique du Sud, une citation ici, une citation là. Mais ici, je suis chez moi. Amen. Praise God, and it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel. Le camp d'Israël. Cette nuit était ténébreuse d'un côté pour eux, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Mon Dieu, et ceci est le temps de la nuit. Gloire à Dieu. La séparation entre la semence et la balle. Gloire à Dieu, amen. Quelle heure, quel temps. Oh, Joshua 1:9. Josué 1:9. Have not I commanded thee, be strong and be of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole, pouvez-vous asseoir.
Well, just a little thought to une petite pensée ici pour mettre dans votre cœur. Je n'ai pas étudié, really, je n'ai vraiment, mais c'est l'inspiration que le Seigneur m'a donnée en avril, je pense que c'était, sur la rédemption. Yet, really. Je n'ai pas encore vraiment étudié. But just to leave a title, mais a pour laisser you, une petite pensée avec vous, present, la rédemption au temps présent. Well, praise God, we're certainly happy here to greet our visitors tonight. Nous sommes heureux de saluer nos visiteurs ici ce soir. Therefore, we're happy to receive them, a little nous sommes heureux de les avoir ici avec so, New York dans la communion avec nous ainsi à New York. Je ne sais pas ce qui va arriver demain. Si nous sommes heureux d'avoir un peu de communion ici ce soir. Je suis venu un peu en retard en essayant d'avoir de l'inspiration. J'ai entendu tous les témoignages qui sont venus après le témoignage de frère Théo. Si vous n'étiez pas là, je vais demander à nos visiteurs de se lever. Frère et sœur Sandra d'Afrique du Sud, vous pouvez retenir vos applaudissements jusqu'après. Je vais simplement les identifier. Frère et sœur Apples, voulez-vous vous lever? Que Dieu vous bénisse. Frère et sœur Lobé. Right here in front of us. God bless you. Amen. Now we have somebody who's been here before. Quelqu'un qui a été ici avant. Brother Bernard. Frère Bernard. Amen. Where's he at? Amen. Praise God, brother Paul. Frère Paul. He was here before also. Il était déjà ici avant. Nous les apprécions. Frère Patrick Knight. Saint Patrick est ici. Praise God and our brother Neville Thompson, brother frère Raymond Thompson. Neville Thompson, le frère de frère Amen. Raymond Thompson. Praise the Lord. We appreciate him. Nous l'apprécions. And then we have our sister. Prudence was here with us before. She can stand Sœur up again with her church. Prudence. Amen. God bless us in the Prudence. And Eileen Kester. Eileen Kester. God bless you. And Sister Cynthia Gallet. Sœur Cynthia God Gallet. God bless you. And Glennis Lawrence. Glennis God Lawrence. Bless you, Sister Glennis and Sister Esme Davids. Sœur Esme Davids. God bless you. And our little queen is with us here, Abigail et notre Roscoe. Petite reine est ici, Brother Abigail Roscoe. Amen. La petite fille de frère Roscoe. Praise God. And now from way down in Cape Town, depuis our Cape Town, Chris Van Arde, Chris Van Arde, la famille Leon, Van Arde, Van Arde, and brother Harvey, frère Harvey, God bless you, and our sister Claudia Van Arde, et notre sœur Claudia family, Van Arde, c'est la famille, and our sister Deline Jackson, et sœur Deline God Jackson. Well, church say amen. Bien l'église dit amen. South Africa. Nous apprécions l'Afrique du Sud. Praise God. Amen. And our the Jason family from France. Et la famille Janson de France, sœur Laila et leur God fils. Them. Que Dieu vous bénisse, nous les apprécions. And our brother and sister Theo Ovid. Frère et sœur Theo Ovid. Brother Ovid, his our sister here. God bless you, and brother Barry. Que Dieu vous bénisse, frère Barry. Barry. He's not here. Il n'est pas là. And he didn't make it. No, okay. Praise God. And brother Knight is here. God bless you, brother Knight. Amen. Frère Knight. Sister. Now I hope I say this right. Amen. J'espère que je vais le prononcer correctement, sœur Kangaroo. God bless you. Kangaroo. I don't want to say it wrong. Amen. Je sais pas si je le prononce de travers. Our brother Yomi is here. I know he's here somewhere. Frère Yomi. Yes, sir. And sister here, right? Amen. Our brother's on fire, but you better get. Because if you get next to him, you have to get some of that fire. Amen. Notre frère est en feu. Ayo et Kantara, le Nigeria. What's his name? Oh, brother, yeah, okay, amen. Brother Odin. Et frère Odin. Amen, Odini, amen. Odini. Praise God, amen. Yes, sir. God bless you, brother. Is somebody here from England? Y a-t-il quelqu'un d'Angleterre? Brother Barclay. Frère Barclay. Barclay, Monet. Okay, God bless you. Que Dieu te bénisse, d'Angleterre. Liberia and Ghana, is that right? Via le Liberia et le Ghana. Praise the Lord. Well, we're happy that they're here with us. And our sister Semler here, and the Semler family, we God bless you. And so, last but not least, et finalement, our brother Rene. And frère Rene means born Rene, again. Rene is signifie, amen, here he is. Né de nouveau. Où est-il? Amen. Praise God from Pretoria. Amen. De Pretoria. Amen. I had you on my list here, brother Rene. Je t'avais ici sur ma liste, frère Rene. J'avais mis Pretoria là. Well, God bless you all. Bien que Dieu vous bénisse tous. And as we're here to have a little fellowship around nous the word of God, un peu de communion maintenant autour de la parole de Dieu, cette petite rassemblement, well, gloire à Dieu. Que puis-je dire? Everybody's sitting here, tout le monde amen, est assis ici, wondering what's going on. Se demandant ce qui se passe. Amen. Now New York just pulled the shades up. Maintenant, New York a tiré le volet. I mean, give me some fire. Je veux dire, donnez-moi du feu. Ah, well, ah bien, gloire à Dieu. Wow.
Je ne savais pas si eux étaient l'église et que vous étiez les visiteurs. Je vous demande, je sentais comment, Nigeria, frère qui? Oh là là. Comment est-ce que je vais prononcer son nom quand je vais les saluer? Ne vous inquiétez pas, dites simplement que Dieu te bénisse, frère. Amen. Praise the Lord. Well, anyway, had a little. Just I won't be with you too long. Je ne serai pas très long avec vous. Un petit rassemblement. We just say having fellowship. Amen. And I'm just trying to waiting around to feel something. Amen. Et j'attends juste pour ressentir quelque chose, d'entendre le bruit au-dessus des mûriers. Et quand je l'entendrai, gloire à Dieu, alors j'irai. Amen. Praise God. Gloire à Dieu. Amen. So the Lord kind of spoke with me now. Si le Seigneur, I may say something, je peux if dire I des choses si je le dis, okay, alors je vais now, retenir la bande. Si ne me demandez I pas la cassette si je dis des choses, I may say some personal je peux things, dire des choses personnelles. And then, you say, give me the tape. Alors vous allez me dire, donnez-moi la cassette. Non, je l'ai déjà dit. Gloire à Dieu. Ainsi, vous avez de deux choses l'une. Soit je vais dire des choses personnelles et je garde la bande, ou alors je peux parler un petit peu et puis vous pouvez avoir la cassette. Qu'est-ce que vous voulez? Say something personal. Dire des choses personnelles. Then I got the tape. Mais alors je garde les amen. Cassettes. Praise the Lord. Gloire à Dieu, amen. So I don't know what I'm going to say, but si je ne sais pas ce que je vais dire, mais c'est un peu difficile de retenir des choses en cette saison, dans ce temps-ci, parce que tout ce qui est fait en secret doit venir ouvertement. Amen. Amen. And when you do, it must be lorsque vous le faites, cela doit être crié depuis le sommet des toits. Amen. Amen. So, anyway, I want to thank the Lord. Je veux remercier le Seigneur. Le groupe qui était dans ma maison hier, nous avons eu un peu de communion avec les visiteurs et les saints de Dieu qui se sont rassemblés, les frères et les sœurs qui sont venus nous aider. Je les apprécie. Ça a été formidable. Nous en parlerons demain. Mais ils voulaient faire une petite soirée de surprise pour mon anniversaire. J'étais un peu désolé parce que je n'ai pas pu participer moi-même à ma soirée d'anniversaire. Je ne pouvais pas y arriver parce que vers 4 heures, je n'avais rien. J'ai dû rentrer à l'intérieur. Je devais partir. Mais j'apprécie certainement la pensée qui était dans leur cœur de faire cela pour moi. J'apprécie cela. Mais en fait, demain, ce sera demain mon anniversaire. Et c'était une petite surprise. Le frère Ayo m'a téléphoné la semaine passée. Il a dit, nous venons pour ton anniversaire. Eh bien, gloire à Dieu. Et c'est là, il est là. Anyway, I'll be 55 years old tomorrow. J'aurai 55 ans demain. Amen. Amen. So praise God. Ainsi, gloire à Dieu. Amen. Yes, sir. And so I'm very sorry I couldn't have fellowship. Si, je suis désolé de ne pas avoir pu avoir communion avec les frères et puis essayer de me préparer et puis attendre les appels téléphoniques, savoir que ceux de Nigeria étaient arrivés et d'autres d'Angleterre, ainsi de suite. Mais ils m'ont donné un beau gâteau d'anniversaire. Frère Helmut avait le gâteau avec l'église dessus, avec la nouvelle église comme elle est maintenant, avec la croix dessus. Il y avait beaucoup de cartes, je ne les ai pas lues, et des cadeaux d'anniversaire. Je désire vous remercier du profond de mon cœur. Je les apprécie. Mon épouse ainsi que Joanne et Becky, tout ce que vous faites avec les autres personnes, ainsi que le Seigneur vous bénisse richement. Ainsi, l'anniversaire était un peu coupé court, mais nous nous rattraperons dans la gloire. Amen. Ainsi, j'apprécie cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, le temps s'est écoulé avec mon anniversaire. Ainsi, le temps s'est écoulé à mon anniversaire. Il n'y a plus de temps. J'ai dû partir et faire quelque chose d'autre. Maintenant, je vais parler un petit peu, prendre un petit peu ici, un peu là. Je peux me souvenir en Géorgie, à Macon. Si je regarde un petit peu le temps et sentir l'inspiration pour dire quelque chose, j'apprécie les remarques que j'ai entendues. The visiting minister brother here and brethren, visiteurs, and how, ministre ici, these brothers here, ces frères ici, really, qui ne me connaissent pas vraiment, la foi qu'ils ont dans l'inspiration que le Saint-Esprit m'a donnée, et de se tenir là, de le croire et combattre pour cela, combattre toutes les critiques. J'apprécie vraiment cela et leur position pour la parole amen. De Dieu. And so,
Si je sentais peut-être que ce soir je pourrais partager des choses avec eux, leur faire savoir d'où cela vient et comment cela est arrivé. Peut-être la mécanique. Ainsi, en 1974, j'avais un anniversaire aussi là-bas. Sœur Coleman et des amis étaient là rassemblés. Pour mon anniversaire. Bien, laissez-moi revenir un peu en arrière. Le 15 juin 1974, juste après que l'affection fraternelle soit tombée, le 9 juin, comme inspiration, dans une nouvelle saison, le Seigneur a parlé à mon cœur. 1 Corinthiens 7, 29, je vous le dis, frère, que le temps est court. Je n'avais jamais bien compris cette écriture. Je sais que cela avait quelque chose à voir avec la résurrection ou un temps, lorsque le temps serait court, que c'était complètement spirituel. En pensant à ces écritures, le Saint-Esprit m'a parlé. Le 15 juin, le temps est court. Vous savez, nous recevons tous des choses du Seigneur, je suppose, et nous écrivons des choses, et je fais la même chose. Et il a vivifié quelque chose dans mon cœur. C'est ainsi que vous pouvez le recevoir. Le Saint-Esprit doit vous le vivifier. Je te vivifierai par mon esprit la saison dans laquelle tu entres maintenant. Et j'avais écrit cela. C'est la saison de la moisson, mais la faucille rapidement, sinon les mauvaises herbes vont gâter le champ. La saison de la récolte, la résurrection est proche. Il viendra une onction. Amen. Oh, amen. Amen. Il viendra une onction pour vivifier mon peuple. En vérité, le temps est court. You shall preach my word. Tu prêcheras ma parole en puissance et démonstration de l'Esprit. Ceci en soi identifiera la venue du Seigneur. Ce sera ma voix parlant, la voix de l'archange interprétant sa propre parole, confirmée par des signes, des prodiges et des miracles. Ils n'entendront pas seulement la vérité, la véritable révélation, mais ils verront l'expression de la vérité au travers même de ton corps. Ainsi, voilà d'où cela doit venir. Cette onction est maintenant sur toi. À partir de ce jour, tu proclameras ma parole avec une telle urgence que les gens sauront que ce n'est pas toi, mais mon esprit qui vivifie cette révélation en eux. Amen. Personne, aucun homme n'a la puissance de vivifier. Seul Dieu. Ainsi, je descendrai. Il y a eu un rêve à ce sujet. Un songe, 1er juin. J'apporterai cette révélation personnellement à mon épouse alors que tu prêcheras ma parole. Et c'est comme ça que c'est censé être. Parce que Pierre s'est levé, il a dit, ceci et cela. Peut-être qu'il y avait 300 000 Israélites qui étaient rassemblés là, dans le monde connu, pour la fête à la Pentecôte. Et la seule manière d'avoir le salut, or, il y avait 3000 qui furent sauvés ce jour-là. Ils furent sauvés ce jour-là, ils étaient religieux. Lorsque Pierre s'est avancé avec la révélation de l'année acceptable du Seigneur, alors ils ont dû croire cet homme-là, celui qui avait la parole. Et sans aucun doute, les pharisiens ont dit, nous ne voyons pas dans l'Ancien Testament le Seigneur Jésus. Pourquoi est-ce qu'on devrait accepter ça? Voyez-vous, c'était une révélation pour lui. Et la même chose, Pierre avait dit d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ premièrement. Et le Seigneur l'avait révélé à Paul. Ainsi, ça ne gênait pas Paul de dire ce que Pierre avait dit d'abord. Alléluia. Amen. Amen. Praise God. Gloire à Dieu. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit est tombé en 1906, c'était la plupart des trinitaires. Et un jour, en 1912, ils s'étaient rassemblés après le grand réveil. Je vais parler comme le Saint-Esprit me conduit. Ils s'étaient rassemblés là, en Californie. Ils s'étaient rassemblés. Ils avaient une grande réunion en 1912. C'était la plupart des trinitaires. Et ils parlaient par inspiration. Et un prédicateur s'est levé, le Saint-Esprit l'a conduit dans Actes 2:38. Et lorsqu'il a touché cette parole, le feu est tombé. Et voilà comment ça doit venir. Le feu est tombé. Le feu tombe sur la révélation.
lorsqu'ils ont commencé à le voir, ça ne les gênait pas de dire ce que Pierre avait déjà dit. Amen. Et ça ne me gêne pas de dire ce que Malachi 4 a déjà dit. Ce n'est pas vous qui dites ce que je dis, mais vous dites ce que le prophète dit. Pourquoi ? Parce que le feu est tombé sur vous. Je ne peux rien faire d'autre que de prononcer les paroles que j'ai vues et entendues. Ça vient par le feu. Gloire à Dieu. Alors le feu est tombé le jour de la Pentecôte. Sur 3000 âmes, le feu est tombé. Hommes, frères, que ferons-nous pour être sauvés? Ainsi, j'apprécie ces frères. Ils savent que ce n'est pas moi. Ils savent que c'est la Bible. Gloire à Dieu. Amen. God revealed to Abel. Dieu a révélé à Abel une révélation, le sang. What are you mad about, Cain? De quoi es-tu fâché, Cain? Praise God. Amen. Cain a dit, j'aurais voulu que tu me le révèles premièrement. Je sais pourquoi tu es fâché, mais si tu dis ce que Abel a dit, je te bénirai aussi. Maintenant regarde Cain. Abel, c'est pas lui qui l'a dit en premier. Je l'ai dit en premier. Je l'ai révélé à Abel. Et Abel n'a fait que de dire ce que j'ai dit. Et nous ne faisons que de dire ce qu'il a déjà dit. Gloire à Dieu, amen. C'est ainsi que ça doit venir. Si jamais vous devez être sauvé, vous devez savoir que vous savez, que vous savez. Vous devez être conduit par l'Esprit. Et l'Esprit est tombé sur Pierre un jour. Elohim, ton père est Elohim. Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Mais Elohim a poussé sur ton cœur. Elohim est descendu du ciel dans ton âme. Et il a dit, tu es le Christ. Sur le roc de cette révélation, je construirai mon église. Alléluia. Ne savez-vous pas ce qui se passe dans le monde? Dieu amène un peuple à Penharis. Gloire à Dieu. Et c'est le livre des Actes à nouveau. Nous sommes rassemblés d'un même accord. En grec, ça veut dire d'une même pensée. La pensée de Christ dans les sept âges de l'Église. Gloire à Dieu. Une seule pensée. Croyant que Dieu va envoyer la promesse. Gloire à Dieu. Quelque chose doit arriver. C'est déjà arrivé avant la fondation du monde. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. C'est ainsi que ça doit venir. Elohim lui-même parle au travers des ministères. La révélation sort. Et ça va éjecter 300 000 personnes. Mais il tombe sur des élus. Ça rentre dans leur cœur. Et ils vont dire, hommes frères, qu'allons-nous faire? Ainsi, nous revenons à cela. C'est apostolique. C'est ainsi que l'Évangile sort. Le serviteur de Dieu ne se soucie pas qui est assis là. Il est oint comme la rose de Sharon. Il parle la parole de Dieu. Il sait que Dieu va tenir sa parole. Je sais que Dieu tient sa parole. Gloire à Dieu. Si l'Église entière n'avance pas, il va prendre un seul individu.
and move with the word. Et il va avancer avec la parole. Praise God. Gloire à Dieu. Amen. Don't you know what revelation is to you? Ne savez-vous pas ce qu'est la révélation? Elle révèle vos droits de rédemption. Alors, la lumière resplendit dans les ténèbres pour réclamer ce qui lui appartient. Ceci m'appartient, c'est à moi, c'est à moi. C'est le temps de réclamer. 9 années de réclamation. Réclamer quoi? Ce qui a déjà été révélé dans les 7 âges de l'Église. Gloire à Dieu. Vous réclamez ce que Paul a révélé, Irénée, Martin, Columba, Luther. Vous réclamez ces récompenses pour vous. C'est à moi. Pendant 9 ans, c'est à moi. La grâce de l'enlèvement est à moi. Amen. Gloire à Dieu. Je ne vois pas de pluie, mais la pluie arrive. Praise God. Gloire à Dieu. You may be seated, amen. That's how it comes. C'est ainsi que cela vient. Amen. The pillar of fire sets off the minister's shoulder. La colonne de feu est assise right sur l'épaule des ministres. Et puis alors, Dieu sort dans l'audience. Il suscite les semences et il le saisit. C'est ainsi que cela avance. Cela avance. Well, ce n'est pas parce qu'il dit, oui, frère Branham a dit cela. That ain't it. C'est pas ça. Gloire à Dieu. Ça n'a rien à voir. Ce sont les semences de Dieu qui sont élues, ordonnées pour le voir. Ainsi, nous revenons au véritable évangile. Amen. Well, here we are. I shall come down. Je descendrai. Voilà. C'est juste, c'est là. I shall come down and je descendrai et j'amènerai cette révélation personnellement. Voyez, je savais que c'était une chose personnelle. Peu importe ce que dit le groupe, c'est personnel. Peu importe ce que disent les prédicateurs, nous n'entendons pas les prédicateurs, c'est pour l'épouse. Amen. Rassemblez tous les prédicateurs. Rassemblez qui? Tous les incrédules. Praise God. Gloire à Dieu. Bring his revelation. I'm in New York City. Amen. Mais je suis à New York City. Amen. Peut-être qu'on devrait garder cette bande. Bring this revelation personally to my bride as you. J'apporterai cette révélation à mon épouse alors que tu prêcheras ma parole. Et elle se préparera par révélation. And be ready for the elle sera prête resurrection call, pour l'appel de la résurrection, qui est un autre appel un peu plus tard. I have it written here. Je l'ai écrit ici. 1974, I've been waiting en 1974, for the resurrection call. Et j'ai attendu cet appel de la résurrection. Amen. Amen. Thank God for a little merci Seigneur over in Johannesburg. Pour un petit pasteur à Johannesburg. Amen. I caught the inspiration. Qui a saisi l'inspiration. Amen. For a witness. Comme témoin. Don't have to say nothing now. Il n'est besoin de rien dire. Libérez-les seulement. Et je peux revenir comme témoin parce que j'ai cela écrit ici. Quelle réunion, quelle convention à Penharris. J'essaie de typifier un petit peu ce qui va arriver. You may be seated. This call shall cet appel viendra comme avertissement. Numéro 1, l'appel de Malachi 4, les voix des 7 anges, and, 7 seals, 7 thunders. 7 sauts, les 7 tonnerres. Numéro 1. Numéro 2, l'appel de l'épouse vient comme avertissement. C'est l'avertissement dans lequel nous sommes maintenant. Ensuite vient l'appel de la résurrection. L'appel à la résurrection. And that's when, Elohim et c'est lorsque Elohim viendra et révélera aux semences de Dieu qui il est. Alors ils sauront que c'est la rédemption au temps présent. Premièrement, la rédemption qui révèle vos droits. God, just right there, juste watching là, you fall down, watching you Dieu get up, vous observe en train stumble, de tomber, trébucher, vous relever, faisant toutes sortes de fautes et vous continuez. Mais le sang des 7 tonnerres vous couvre. But then he drops Elohim alors, revelation in on la révélation d'Elohim descend sur vous. Spread your wings like alors, an eagle. Vous étendez vos ailes comme un aigle. Depuis avant la fondation du monde, où étais-tu? Gloire à Dieu! Hallelujah! Hallelujah. So,
Ainsi, 2 et 3, appel de l'épouse pour avertir les gens. 2 et 3 du même appel fait par la voix de l'archange. L'épouse aura l'onction d'elle. Apocalypse 22, 17. Quiconque veut qu'il vienne. Ainsi, ce sont des choses que le Seigneur m'a dit en 74. Et j'ai attendu que ceci arrive. Gloire à Dieu. Et vous devez premièrement avoir de la sagesse pour comprendre ce qui se passe. Ainsi, j'ai attendu. Vous comprenez maintenant la voix de l'archange. Et l'esprit, c'est l'ange. Premièrement vient le prophète. Ensuite, l'ange vient derrière le prophète pour la délivrance. Voyez-vous, l'ange vient pour faire s'accomplir cette parole. Aucune parole ne reviendra sans effet. Ce n'est pas le prophète qui parlait, c'était Dieu dans le prophète. Aucune parole ne reviendra sans effet. L'ange est ici ce soir pour faire s'accomplir cette parole. Elle a été parlée et ainsi cela sera. Chaque semence de Dieu que vous avez mis dans votre terrain par la foi, Dieu va mettre du feu là-dessus. Gloire à Dieu. Amen. 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 Praise God. Gloire à Dieu. Time is short. Le temps est court. Shall be a special anointing. Il y aura une onction spéciale sur toi qui sera vue et entendue par tous. Ce sera ma personne en toi, à la mesure de la stature de Christ parlant à mon peuple par ma voix. Amen. Amen. Vous voyez cette voix. Et les gens ne savent pas ce qu'est la voix. Praise God. Gloire à Dieu. Share those little things with you. Voyez, je partage un peu ces choses avec vous. So, hope you understand what's going J'espère on. Que vous comprenez ce qui se passe. Ce n'est pas moi ou vous, c'est l'ange de Dieu. So, on June 27, 1974, le 27 juin 1974, j'étais en Géorgie. Frère Vela, Gonzalez. Frère Gonzalez. Somewhere back there. Il était dans ces années-là, Porto Rico. Brother Lloyd had two dreams I had to do Laura with this whole move of God. Deux songes. And March 24th, le 24 mars, il avait eu un songe some have compassion, au sujet de « Ayez compassion de certains ». People down in the valley, il y a des gens dans une vallée, est-ce qu'ils pouvaient être sauvés? And, they had appointed to the watch. Alors ils regardaient à sa montre, exactement, 70 enfants, 70 petits-enfants seront sauvés. Et il y avait la grande aiguille sur 12 et la petite aiguille était là sur 70. Of some have compassion. Ayez compassion de certains. Amen. That was in March 24. C'était en mars. Well, anyway, le 24 mars. Le 27 juin 1974. Laura a eu ce songe. Brother Vella went down on frère June 27. Était allé là le 27. Et c'était justement mon anniversaire. Brother Vella, here's a dream. Et Brother frère Vella voici. And Lloyd were sitting down, congregation. Nous étions là dans l'assemblée. Small balcony, a church in Puerto Rico. Petite église à Puerto Rico avec un balcon. Nous attendions que quelqu'un vienne finalement. Un diacre est venu, frère Vella. Il a donné un petit traité avec un nouveau message, la parole parlée. Le diacre était heureux quand il a regardé. Il a décidé d'aller vers le pasteur pour lui montrer. Il est revenu avec le diacre, il était assez embarrassé. Il est allé vers frère Vella. Le pasteur a ouvert une grosse Bible. Il a commencé à lire le message que frère Vella lui avait donné, les Écritures, dans le nombre. Il les cherchait. And he'll open the Bible. Il a ouvert sa Bible. He'll open the Bible to the number of the scripture. Dans le nombre des Écritures. The call of the pamphlet. Et qui était là dans le traité. Et lorsqu'il a mis le traité, c'était comme un template. C'est comme un chiffre qui était là pour faire ressortir quelque chose. Et lorsqu'il a mis le traité, en d'autres mots, comprenons une brochure et qu'on a mis là-dessus, dans la Bible. Voyez-vous, voilà. C'était comme ça dans son songe. And when he put the pamphlet lorsqu'il a mis down, le traité là, c'est comme ça superposait, ça formait like comme des
des colonnes de feu, des langues de feu. Et puis, il allait chercher une autre écriture, et puis une autre page de sa Bible. Et puis, il y avait des marques, voyez-vous. Et lorsqu'il posait ces citations-là sur cette page, ça formait des diagrammes comme une langue de feu. Ainsi, il a continué avec des citations, voyez-vous, qu'il avait trouvées dans le message, voyez-vous, dans des brochures. Il les sortait, il les mettait dans la Bible. Et chaque fois qu'il faisait cela, alors la colonne de feu venait sous une forme de diagramme. Ainsi, à la dernière citation, je pouvais vraiment voir le songe. La seule écriture était Ésaïe 4:5, c'est qu'il a pierre de fête. C'était la seule écriture qu'on pouvait lire. Lorsqu'il eut terminé, Ravala m'a regardé, il était surpris, il a dit, comment est-ce que cela est possible? Maintenant, il était à Porto Rico. Et Ravala avait donné la brochure à cet homme, son pasteur. Il avait une Bible, et chaque fois qu'il prenait une citation, il la trouvait dans la Bible, et le feu tombait là-dessus. Et si Ravala se demandait, comment ça se fait-il? Il connaît déjà ce message. Si Seigneur, il regardait, j'ai oublié de te dire que frère Coleman est venu ici auparavant et il avait marqué la Bible, il avait montré le message dans la Bible. Amen. Et nous étions allés là à Porto Rico depuis 67 en prêchant le message sans les citations, simplement en le marquant dans la Bible. Amen. Brother Coleman come quoting. Frère Coleman vient avec les citations. Non, frère Coleman prêchait la Bible depuis 61. Mais mon père m'a visité, il m'a dit de prendre les citations et de les mettre dans la Bible et que le feu allait suivre sur les citations. Ainsi, voilà ce qui est arrivé depuis 9 ans. Une citation ici, une citation là. Mais c'est la colonne de feu. Amen. Vous comprenez maintenant? Ainsi, je veux dire, j'étais satisfait avec le feu sur les citations. Certains avaient certaines Amen. Idées et puis rien n'arrivait. So we understand now. Ainsi, nous comprenons maintenant. So first go out and ainsi, premièrement, sortir et prêcher la parole. Show the prophet in the Bible. Montrer le prophète dans la Bible. Then come back around, ensuite, take the revenir et prendre les citations and mark the Bible. Et marquer la Bible. When you put the quotes back lorsque in vous here, remettez like les citations dans la Bible comme comes. Ceci, alors le feu descend. It's the message. C'est le message. Amen. Amen. So praise God. So here we are. Ainsi nous voici. The resurrection call, which is another call. Appel de la résurrection qui est un appel un peu plus tard. And I waited for this call. Et j'ai attendu cet appel, j'attends depuis juin 1974. J'ai prêché ceci il y a des années. Vous avez trois pierres. L'épouse, le roc de révélation. Sans ça, vous périssez. Vous devez avoir une révélation. Et c'est la pierre qui entre dans le front et de là vient une révélation. Ensuite, le roc de guérison, qui est la guérison et le pardon. Et ensuite, la pierre de puissance. Et la rédemption est par puissance. La rédemption est par le sang et par puissance. Premièrement, le sang. Amen. Savoir accepter le sang de l'agneau. Pas tellement une expérience encore, mais simplement croire. Mais lorsque l'ange de la mort vient, alors vous saurez, c'est vraiment le message. Et je ne dois pas croire, je ne devrais plus croire ce que dit tel frère tel et tel, mais c'est le message. Amen. Ensuite, la puissance vient pour votre corps, la guérison, ainsi de suite. Il montre premièrement la puissance. Amen, New York. Dimanche passé, la rédemption par puissance. Premièrement vient le sang des sept tonnerres. Venez sous le sang, car le sang est la parole. Et la parole est la parole révélée. Votre compagnon est la parole révélée. Du dos de la Bible, révélant quoi? Ce qui est à l'intérieur. Cette révélation, c'est ça votre compagnon, Jésus-Christ. Alors vous l'acceptez, citation pour citation. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Praise God. Gloire à Dieu. So you must accept the message. Vous devez accepter le message. Saint John 2, Saint Jean 2. 2:22, il dit, il est ressuscité des morts. Ses disciples se sont souvenus qu'il leur avait dit cela. Et ils croyaient les Écritures et la parole révélée que Dieu, que Jésus leur avait dite. Les Écritures et la parole vivante. Alors, ils ne savaient même pas, pendant trois ans, ils ne savaient même pas ce dont ils parlaient. Mais le matin de la résurrection, ils se sont souvenus de ces paroles. Gloire à Dieu. Lorsque la résurrection est venue dans le message, en Afrique du Sud, il y a différents endroits, ils se sont souvenus de ces paroles. Et ils se sont souvenus de ces paroles. Le prophète a dit. C'était pas le prophète, c'était le Fils de l'homme. Révélé. Gloire à Dieu. Le Fils de l'homme vous a rassemblés. Pourquoi? Pour la foi de l'enlèvement. Amen. Et ils se sont souvenus de leurs paroles. Et ils se sont souvenus de ses paroles. La perfection. Et ils se sont souvenus de ses paroles. La parole parlée. Et ils se sont souvenus de ses paroles. Gloire à Dieu. La parole, le salut, la parole parlée. Et ils se sont souvenus de ses paroles. Sir Hattie Wright. Et ils se sont souvenus de ses paroles. Avant que les mains du médecin ne touchent. Et ils se sont souvenus de ses paroles. Petit poisson, je te donne ta vie. Et ils se sont souvenus de ses paroles. Soleil, sort et resplendit. Et ils se sont souvenus de ses paroles. Gloire à Dieu. Ne crains pas, petite sœur. Attendez que la puissance de résurrection vienne sur cette épouse. Et ils se sont souvenus de ses paroles. Gloire à Dieu. Gloire. Gloire à Dieu. Amen. You may be seated. Lay out the message. Joseph. Enfonce le message. Joseph perfection. Prêche l'adoption, la perfection. 1964, preach it. En 1964, dix ans plus tard, ensuite vient la révélation directement dans la Bible. Vous allez leur montrer et puis alors ils se moquent, ils crachent sur vous et ils se sont souvenus de leurs paroles. Mais maintenant, en 1982, quelle foi! Gloire à Dieu! Il est ici! La rédemption est en présent! Praise God. Gloire à Dieu. Glory to God. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Alléluia. Glory to present tense redemption. La rédemption est en présent. Amen. I'll be with you. Je serai avec toi. Où tu iras, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi au Nigeria, Trinidad, Afrique du Sud. Gloire à Dieu. Je serai là. Je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Je suis descendu pour la rédemption. La rédemption est en présent. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La rédemption est en présent. Pour que vous puissiez le voir, le goûter, la substance. Ainsi, lorsqu'il est sorti comme témoin, ils ont identifié ce que c'était, de retour à la parole. Combien se souviennent ici, à New York, de retour à la parole, de retour à la parole. Le message revient à la parole et le ministère est censé le mettre dans leurs églises, dans la Bible. C'est la chose difficile, vous prenez les citations et ils pensent que vous êtes mort, mais vous le remettez dans la Bible. Le prophète est parti, mais qui va le prendre? Qui va identifier ça dans la Bible? Un quintuple ministère doit prendre ceci, l'identifier. Et Jésus a dit, si vous avez pris position pour moi,
je prendrai position pour vous. Voilà pourquoi j'ai une foi aujourd'hui que je n'ai jamais eue. Je sais que je sais que je sais. Je m'en vais d'ici, gloire à Dieu. J'ai pris position pour la parole. Envers et contre tout. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Chaque citation forme une colonne de feu. Amen. The message goes, you may be seated. It goes forth like a fire. Le message sort comme du feu. I didn't even get to this message here yet. Amen. Je suis même pas encore entré dans le message. Gloire à Dieu. And when the scripture was given from the mouth, et lorsque les écritures sont sorties de la bouche, elles doivent sortir de votre bouche. Je crois les sept tonnerres. Eh bien, vous devez le dire. Well, I believe it sometimes. Eh bien, je crois, parfois, frère Roscoe, mais avec d'autres, je ne crois pas. Quand je suis avec, et bien, quand je suis là, je ne crois pas. Quelle espèce d'histoire à la Nicodème, est-ce que c'est ça? Nous savons que tu as les tonnerres, amen. La nuit, oui. Gloire à Dieu. Je glisse la nuit, parler des tonnerres. Amen. Amen. Now, when it was given from the mouth, lorsque c'est sorti Bible, par la bouche, identifié les citations et le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit aujourd'hui? C'est une citation, vous connaissez les citations. Voilà pourquoi je suis contre les religions organisées. Le Saint-Esprit aujourd'hui, la manifestation du Saint-Esprit est cet ange qui essaie de ramener les gens à la parole. Les citations, c'est l'ange, le Saint-Esprit, sous forme de citations, essayant de ramener les gens à la parole. Pourquoi? Parce qu'il ne peut bénir que la parole. Pas des interprétations, pas des idées, pas ce qu'ils pensent de ceci et de cela, mais la parole. Et maintenant, Dieu a un peuple sur la parole. Et les gens sont rassemblés à Penn Harris, certains. Amen. Parce qu'ils sont sur la parole et maintenant il peut les bénir. Gloire à Dieu. Ainsi nous y sommes, les amis. Les citations parlées par la bouche dans la Bible ouverte. Et cela se transforme en colonne de feu. L'ange a touché les citations lorsqu'elles sont replacées dans la Bible. Pensez-y. 9 années sont terminées après avoir replacé les citations dans la Bible. Beaucoup ont pris les mêmes citations et ont montré d'autres choses. C'est juste. Ils ont pris les mêmes citations, mais ils ont tourné, ils ont montré quelque chose d'autre. Mais un ministère a pris les mêmes citations et les a mis directement dans la Bible. Amen. Voilà pourquoi le diable fait rage. Amen. Ainsi, nous savons qui sont les démons. Lucifer et Michael. Et Lucifer s'est tenu contre Michael avant la fondation du monde. Il s'est tenu là. Et ils ont combattu là-bas. Ainsi, la bataille ici, ce sont les esprits là-bas qui ont pris des corps ici. Et c'est la bataille. Les mêmes deux esprits sont ici, aujourd'hui, dans les corps. L'un est religieux et l'autre est la parole. Et presque au point de croire, beaucoup peuvent se tenir dans les tonnerres, pourront tenir dans les tonnerres jusqu'à la troisième phase. Ils viendront jusqu'à là. Et la deuxième phase, ils vont tomber alors qu'il y aura l'identification. L'identification avec chaque parole. Et l'ange vous a conduit. Ce n'est pas vous qui a possédé les promesses, mais c'est l'ange qui vous a montré les promesses. Et quelque chose en vous, une profondeur, au profond de vous-même. Amen. Vous avez un certain goût. Frère Branham a prêché le filtre de l'homme qui réfléchit. Amen. Ainsi donc, premièrement, vous devez avoir un goût, un désir à l'intérieur. Et alors, une cigarette vient, il y a un filtre. Maintenant, vous pouvez avoir un filtre de la parole. Vous pouvez avoir un filtre dénominationnel. Vous pouvez avoir un filtre d'interprétation. Vous pouvez avoir un sale filtre. Maintenant, le filtre, c'est ce que vous avez. Et nous avons la parole. Ensuite, le message, c'est la fumée. Amen. Et ce sont les 7 sceaux avec le filtre de la parole. Maintenant, si vous avez un filtre, un goût dénominationnel, alors vous allez avoir un filtre dénominationnel pour prendre le message.
Et vous ne pourrez retenir du message que ce qu'il y a dans votre âme. Amen. Mais un homme qui réfléchit aura toujours un filtre de la parole. Gloire à Dieu. Ainsi, lorsque vous avez un filtre de la parole et une parole semence et un message des sept sceaux, des sept tonnerres, vous allez tirer le pur Saint-Esprit directement au travers du filtre dans votre âme. Et cela va satisfaire. Ça va satisfaire. Oh, je suis satisfait ce soir. J'ai le filtre d'un homme qui réfléchit. Gloire à Dieu. Et lorsque vous savez que c'est l'ange qui vous conduit, vous n'avez pas de condamnation. Quand vous savez que c'est l'ange qui met le sang sur vous, il n'y a pas de condamnation. Une foi sans condamnation. La foi ne peut pas avoir de condamnation. Comment Elohim au temps présent peut-il vous racheter du message dans lequel vous étiez, l'âge, la confusion, le message dans le message, et vous faire sortir et être condamné? Pourquoi est-ce que vous venez condamner? C'est la foi sans condamnation. Il n'y a pas de condamnation dans la révélation de sept tonnerres. Le sang de Jésus-Christ. La voix parle. Mon enfant, tu ne peux pas pécher. Il y a une expiation de sang pour toi. Comment peux-tu pécher lorsque vous avez le goût d'un homme qui réfléchit? Gloire à Dieu. Gloire. Ne vous inquiétez pas de votre corps. C'est votre pensée humaine. Ce n'est pas votre âme. Votre âme a un goût. Elle désire la parole. Mais votre pensée, votre esprit se met dans le chemin. L'esprit vous dit, tu veux ceci, tu veux cela. Mais dites à votre esprit, non. J'ai le goût d'un homme qui réfléchit. J'ai le filtre d'un homme qui réfléchit. J'ai le message d'un homme qui réfléchit. Satan, je suis libre. Merci Seigneur, je suis libre, libre, libre. Gloire à Dieu. C'est l'ange qui vous conduit. L'ange vous a conduit ici dans Exode 14. C'est l'ange qui vous a amené à Migdal. L'ange qui a mis Pharaon derrière vous, c'est l'ange. L'ange veut vous prouver que vous ne pouvez pas vous racheter vous-même. Je suis descendu pour la rédemption. La rédemption au temps présent. Pour vous emmener de la domination du péché, qui est la pensée humaine. Quand je voudrais, je ne peux pas. Des gens sont en train d'être libérés ce soir. Dieu vous libère. La rédemption au temps présent est ici maintenant. Peu importe les pensées sales que vous avez pu avoir, peu importe ce qui est arrivé hier, Elohim est ici ce soir. Gloire à Dieu. Pourquoi crier? Pourquoi crier? Parle. Pourquoi crier? Parle. Va de l'avant. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez ce que je dis? L'ange qui vous a conduit vers les tonnerres. La rédemption est en présent. Laissez-moi dire quelque chose. Pen Harris, cet ange ira derrière vous quand vous rentrerez à la maison.
Et il retranchera vos ennemis. Vous ne verrez plus jamais les Égyptiens. Vous êtes libres. Vous ne verrez plus jamais les Égyptiens. La puissance est ici ce soir. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Oh, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hallelujah. Glory. Shout. Maintenant même, la rédemption au temps présent. Dieu est au-dessus de vous. Il est en train de retrancher la chair. Amen, tu es libre. Gloire à Dieu. Oh, ma. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. My. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Ooh, shah. Glory. My. The angel is here tonight. L'ange est ici ce soir. Present tense redemption. La rédemption est en présent. Gloire à Dieu. Praise God, God be praised. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Glory. Glory. Gloire à Dieu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Shah. Oh, my. Glory. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Lord, thank you, Lord. Glory to God. Thank you, Jesus. My. Lord God, free your people here tonight. Seigneur Dieu, libère ton peuple ici ce soir. Praise God. Au balcon, en bas, Père, libère chacun d'eux. Libère-les. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Glory. Gloire. Glory to God. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Glory to God. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Glory. My. Glory to God. Thank you, Jesus. I believe the sealing angel is here. Je crois que l'ange du sceau est ici. Glory, he's here. Il est ici. Present tense redemption. La rédemption est en présent. Praise God. Father, let the fear fall. Père, que le feu tombe. Glory. Oh, my. Glory. Thank you, Jesus. My. Oh.
My. Thank you, Jesus. My. Oh, hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord. My glory, he's here. Il est ici. Come on, Jacob. Allons, Jacob. Get a hold of the angel. Saisis-toi de l'ange. You can be sealed tonight. Tu peux être scellé ce soir. Receive the Holy Ghost. Recevez le Saint-Esprit. Glory to God. Receive ye the Holy Ghost. Recevez le Saint-Esprit. My. Oh, hallelujah, Father, let the fear fall. Père, que le feu tombe. Glory to God. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. My redemption present. La rédemption temps présent. Why cry, speak? Pourquoi crier, parle. Glory to God. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Merci, the Jésus. Anointing is here. L'onction est ici. It's all over you and keeping you alive. Il est tout autour de vous et il vous garde That's vivant. The anointing. C'est l'onction. It's in the temple. Elle est dans le temple. Glory to God. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. My. Alléluia. Thank you, Alléluia. Jesus. My. Oh. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Isaiah 4, 5. Ésaïe 4, 5. La colonne de feu est dans le bâtiment, confirmant l'inspiration du 15 juin. Il a dit, dis-leur, et je le confirmerai que tu leur as dit la vérité. Gloire à Dieu. Je sais où je me tiens. Les sept sceaux sont l'onction de la parole et la révélation des sept tonnerres donne la foi dans l'onction des sept sceaux. Beaucoup ont l'onction des sept sceaux, mais ils n'ont pas de foi dans l'onction. Mais la révélation des sept tonnerres vous révèle d'avoir foi dans l'onction. Et ce soir, vous avez oint la charité. Vous avez fait descendre la charité. Parce que votre foi a oint la promesse, ajoutée à votre foi la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle et la charité. C'est ici. Gloire à Dieu. La colonne de feu. Alléluia. Une multitude mixte dans le message, essayant de suivre Israël. Pharaon, essayant de suivre dans le message. Dieu les a laissés aller jusque-là. Maintenant, la rédemption par le sang. La rédemption par puissance. Et New York City sait que deux semaines d'affilée, la puissance a été identifiée. Qu'est-ce qui vient ensuite? Le baptême du Saint-Esprit dans la mer Rouge. Premièrement, le sang. Vous regardez, vous savez que c'est la grâce de Dieu. Parce que vous avez vu le sang sur vous. Le sang vous a gardé dans ce message. L'ange de la mort. 2 Timothée 3, c'est l'ange de la mort. Méprisant ceux qui sont bons, Jannès et Jambres, morts alors que vivants. Alléluia. Mais il y a des gars des sept tonnerres qui ont retranché l'ange de la mort. Le dernier fléau avant d'arriver en Égypte
C'était l'ange de la mort spirituelle, partout dans le message. Mais le sang des sept tonnerres, quand je verrai le sang, et Dieu vous oint ce soir pour vous faire savoir que vous avez passé, que vos reins sont ceints de la vérité, vous avez le bâton dans votre main, que les démons font marche arrière. Gloire à Dieu, Dieu vous appelle. Allons, 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 sortez les démons. Gloire à Dieu, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Alléluia. Et aucun démon ne pourra m'arrêter. La rédemption est en présent. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me sens comme Myriam ce soir. Je me sens comme Moïse. Moïse a chanté dans l'esprit. Myriam a dansé dans l'esprit. Noma. Gloire à Dieu. Lorsque Myriam a regardé, elle a vu les œuvres mortes du monde. Quand Myriam a vu le rouge à lèvres, les robes courtes et tout ça, les corps morts. Quelle danse de victoire! Le jour de la victoire, la foi et la victoire. Alléluia. Vous avez déjà vaincu. Vous êtes libre. Nous chantons dans l'esprit. Nous dansons dans l'esprit. Nous marchons dans l'esprit. Nous parlons dans l'esprit. Gloire à Dieu. Allons, frère Joe. Noma. Alléluia! Vous êtes libre! La rédemption est en présent! Praise God! Alléluia! Glory to God! I see the Noma, no.